Notre système sanitaire au Cameroun à l'heure actuelle, et je parle ici à des médecins, vous pouvez aller avoir. Nous n'avons à l'heure actuelle aucun hôpital où vous avez un plateau technique tel que si vous avez un choc grave, sanitaire grave, on peut vous mettre au moins en état avant de vous évacuer. Il n'y a pas. On a fait l'hôpital général de Yaoundé qui était financé par les Belges, qui en termes de structure est aux normes. C'est-à-dire quand je marche dedans, j'arrive ici, je vois les hôpitaux, c'est aux mêmes normes. C'est parfait. Les couloirs sont aux normes, tout est aux normes, les lits et tout. Mais vous n'avez pas, là-bas, il n'y a même plus de gaz. Je n'accable personne. Je le dis, ma propre mère a séjourné, maman a séjourné là-bas. Dans les couloirs, vous marchez sur des flaques d'eau. Nous savons tous, je ne sais pas si c'est de l'eau ou des urines ou de quoi. Dans les flaques, dans les couloirs. Et nous savons ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Les médecins connaissent ça. Où tu attrapes plus de maladies à l'hôpital, que tu en as pas. Mais quels sont les...